Bienvenue sur Radio Z. Comme tu peux voir, on a installé un magnifique canapé. Ah, tu vas me faire la même blague que ton pote. Mais les gars, si vous m'installez un canapé, c'est pour m'analyser. Il s'agit de thérapie maintenant, je suis moins bloqué qu'avant. Ouais, je suis parti dans l'analyse. Vous êtes prêts à me thérapiser? La génération Z, c'est pour ça ou pas Radio Z? Non. C'est pas la génération Z. Non. Radio Z. C'est les petits qui ça. Donc, est-ce que tu es prêt pour ce soir? Tu es heureux d'être là? Très, très, parce que je suis à la fois heureux de la programmation, je suis curieux de voir ce que font les autres sur scène. Je suis aussi très content parce que c'est un de nos premiers festivals multi-artistes, avec plus de monde qu'en salle, même si on fait des trucs très honnêtes et très chouettes. Ouais, je suis très content. T'es venu hier sur le terrain, c'était tes dernières dates en scène? Ouais. Découvert que c'était en salle, c'est un festival, c'est une drôle de salle quand même, hein. Oui. C'est plus en gare, quoi. Non, je considère pas ça comme une salle, ou alors il aurait fallu que je fasse une tournée des Zéniths pour me dire je suis une petite salle ce soir, c'est quoi. Maintenant là on passe à un step dessus, quoi. Comment tu procèdes pour écrire tes chansons? Tu fais d'abord la musique et après le texte, ou l'inverse? Généralement j'écris sur la musique. C'est la musique qui est un vecteur d'émotion. Je pense que c'est des mots qui m'arrivent, c'est des idées en fait. Je vais fredonner, à yaourter des trucs comme on dit. Voilà, je fredonne des trucs, je baragouine des trucs et ça me vient, c'est instantané. Et c'est la musique qui me lance d'abord. Une patte particulière dans cet instrument? Ils sont plusieurs, mais justement, là il y a 8 producteurs différents sur l'album, mais je cherchais une cohérence quand même d'un morceau à l'autre. Par contre, j'avais besoin d'aller les chercher pour des raisons particulières. On précise à chaque fois, quoi. Oui. Un DDP, je vais le chercher parce qu'il a une touche un peu old school et enfin, il a un côté. Un peu boom bap et en même temps il est des mainstream, j'aime beaucoup sa touche. Xma qui fait des morceaux plus aériens et qui produit pour PNL, j'en avais besoin pour Karma, j'en avais besoin pour LMP, il y a Scred, il y a Easily, il y a vraiment des gens que je kiffe, quoi. Mais je sais pourquoi je vais les chercher. Ouais. Mais c'était étonnant parce qu'on a pu découvrir dans l'album des Casseurs Flotteurs la chanson que tu as fait tout seul, si le titre me revient. Ah, le mal est fait. Le mal est fait. Ouais. Et on retrouvait exactement la même patte, on la retrouve dans tout ton album, et c'est génial. C'était les prémices. Ouais. J'ai fait peu de morceaux solo, les 10 dernières années. Le mal est fait, c'est le plus récent, donc il y a un truc qui correspond beaucoup plus à. Enfin, qui correspondait déjà à mon état d'esprit actuel, tu vois. Ouais. Il aurait limite pu se retrouver sur Enfant Lune, quoi. Voilà, je peux le mettre dessus. Est-ce que tu as trouvé difficile, vu que ton album est hyper personnel, de t'ouvrir comme ça sur la relation avec ton frère, ton père, etc.? Non, pas du tout. Non, parce que déjà dans Les Casseurs, je mettais pas trop de filtres, j'étais très autobiographique. Je sais pas trop faire, je sais pas faire autrement que me raconter moi. Et un album solo, en plus, ça te laisse beaucoup plus d'espace pour le faire déjà. À deux, c'est plus compliqué. Et non, je me suis jamais dit, tiens, je suis impudique là. Juste sur le morceau qui parle de la maladie de mon frère, je voulais que lui se sente pas trahi ou. Exposé, du coup je voulais que c'était lui la douane, quoi. Je lui disais, écoutez, si je le sentais, s'il tiquait pas, si je le sentais touché, ça passait, sinon je sortais pas le morceau, quoi. Mais à aucun moment dans la démarche d'écriture je me dis je me freine, au contraire. Est-ce que t'aurais un petit message pour les hommes sans foi ni loi que tu évoques dans Karma? Non, j'ai bon, c'est compliqué en plus de leur. En plus, c'est nébuleux, on sait pas vraiment à qui je m'adresse. Je pense vraiment aux gens qui n'ont aucune religion, et quand je dis religion, c'est pas forcément au sens religieux du terme. Je parle de principe, je parle d'avoir foi en l'homme. Moi, c'est plus ma religion, le karma, tu vois. Je crois en moi, je crois en l'humanité quand elle se. Je sais pas. À la bonté. Ouais, à la bonté d'âme, à la bonté tout court, à l'humanité quand elle se serre les coudes. C'est très naïf dit comme ça, mais. Ouais, je pense aux gens toxiques, aux gens noirs, des gens qui sont un peu des trous noirs, qui t'aspirent un peu ta lumière, on en connaît tous. Voilà, je pense, je nomme personne en particulier. Tu t'es vachement découvert dans ton premier album, on a l'impression que t'as donné tout ce que t'avais à donner. Qu'est-ce qui te reste pour faire pour la suite? Bah je sais pas, moi non plus je sais pas, il va falloir que je me re-remplisse un peu.
Là, j'ai vidé mon sac, j'ai un bon gros sac. Et je pense que mon album, le premier album en tout cas, il pouvait pas être autrement que comme ça. Même si j'ai des regrets sur des choses, des particularités de l'album, je me dis, j'aurais pas pu le faire autrement en fait. Je devais raconter ça. À la fois pour m'approprier mon autonomie après les casseurs flotteurs, j'avais besoin de me raconter moi. Je pense que j'étais un endroit de ma vie où j'avais envie de le faire. Ça sera jamais la même chose quoi. Le deuxième album, il sera peut-être plus casseur, il sera plus de retour dans cet univers là. Mais en tout cas, il va falloir que je me re-remplisse un peu. Ouais. C'est dû être dur d'être toujours associé à Orelsan comme ça, d'être toujours vu en binôme et que finalement. Bah, pas tant que ça en vérité. Oui, parce que les gens m'ont découvert avec Casseur, donc je pense que c'est quelque chose dont je pourrais jamais me détacher et ça me va, tu vois. Je suis très très fier de ça. Mais je vois bien, en concert, je vois des gens qui viennent, et même avant les concerts, avant que je me mette à tourner, des retours sur l'album, de gens très touchés par certains morceaux. J'ai le sentiment d'avoir posé quelque chose là, tu vois, complètement différent de ce que j'ai pu faire avec Casseur. Je me sens pas, je me sens pas réduit au statut de sidekick ou de binôme. J'ai vraiment l'impression d'avoir apporté quelque chose de différent, tu vois. Alors après, c'est le succès à son échelle, tu vois, c'est pas le succès d'Aurel. Mais moi, dans mon cheminement personnel, c'est important que je pose cette pierre-là, tu vois, et qu'il y ait des gens qui soient sensibles à certains morceaux. Et ça me suffit, en fait, c'est la récompense, quoi. Ouais. Est-ce que t'arrives à t'affranchir du rôle de glandeur que t'avais avant Ouais, mais parce que déjà, à l'époque, on le chantait avec Aurel, on n'était plus là-dedans. C'est un mode de vie révolu. Mais donc, on pouvait en parler avec recul, tu vois, parce qu'on n'était plus là-dedans, justement. Ça nous permettait de porter un regard amusé là-dessus, d'en parler avec humour et tout, tu vois. Mais je suis plus du tout, même si je suis toujours en décalage par rapport aux gens de mon âge et aux gens en général, je vis différemment d'eux. Je réfléchis, je pense, on est tous différents les uns des autres, mais moi j'ai vraiment quelque chose de marqué dans mon mode de vie où je suis en dehors de tout, je vis la nuit, je m'installe dans rien. Ça me va, ça me plaît en fait, c'est mon mode de vie, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Ouais. Je te sens vachement sage. J'ai pu regarder plein d'interviews avant de faire celle-ci. Dedans, tu parles souvent de sexe, même dans tes chansons, tu parles souvent de sexe. Ouais. Pourquoi ? C'est la vie, frérot. Comment est-ce qu'on est arrivé ici ? Oui, c'est vrai. C'est la vie, poto. Parce que c'est tout de suite moins chiant avec le sexe, quoi. Mais c'est même pas. J'en parle pas comme d'une addiction. Hein. Ouais. Et puis je parle pas. Je sais pas où t'as vu que je parlais de sexe. Je parle beaucoup de mes relations amoureuses. Je pense qu'il y a la thématique amoureuse, elle est hyper présente dans l'album parce que je ne conçois le. En tout cas, je trouve que ce qui donne du sens à une existence un peu absurde, une existence humaine quelconque, tu vois, la mienne en l'occurrence, je lui trouve du sens dans le compagnonnage et dans ma relation aux autres. Tu vois, pas seulement au monde, c'est aux gens. Ça renseigne beaucoup, quoi, une relation amoureuse. Et on s'ennuie moins, quoi. Est-ce que tu arrives à allier le côté sentimental à ta vie d'artiste et de tournée, ouais, etc. Ouais, carrément. Ouais, mais à ma sauce. Et comme je le fais depuis le début, avant la musique, j'ai toujours été une galère en relation. Mais en même temps, je suis d'une grande loyauté. Quand j'aime, c'est pour la vie, quoi, tu vois. Et donc j'ai mes ex-copines qui sont mes amis, mon ex-copine qui est ma meilleure pote. Fait partie de ma famille, quoi. Donc je sais pas quoi te dire. Très bien. Mais vas-y, fais-toi plaisir. C'est grand, je trouve. Ouais, j'ai pu voir que t'aimais beaucoup le water polo. Pardon ? T'aimais beaucoup le water polo. Mais où est-ce que t'es parti ? Quelles sont tes sources, toi ? Qui est sorti il y a deux jours. C'est pas mieux que les miennes. Water polo ? Ouais. Mais ça dit quoi dans l'interview ? Je parle de quoi ? Du water polo, beaucoup de sport. C'est parce que je trollais, je pense que je trollais le mec qui m'interviewait, je devais lui dire de la merde. C'était sa première interview en plus. Ah bah c'est pour ça. C'était son dépucelage. Ah ok. Super, merci beaucoup de ta présence. Merci là. On est pressé de voir ton concert et. Chantier. Merci bien. Merci les gars. Merci à toi. Le mal est fait.